des retardataires, mais je me réjouis déjà de l'importance que vous avez accordée justement à l'invitation que je vous ai faite en ma qualité de député que vous avez élu, vous tous, sans parti pris, parce que je considère qu'après les élections, celui qui est élu, c'est celui-là qui a été élu par tout le monde. Donc, je suis le député départemental de tout le monde, et à ce titre, comme je vous l'avais promis dans ma campagne, j'ai jugé qu'il fallait faire une nouvelle empreinte à la politique dans ce département, qu'on ne doit pas, du 1er janvier du mandat jusqu'au 31 décembre de ce même mandat, parler uniquement de politique et devenir comme des adversaires, alors que nous avons tous des points communs à nous tous. Nous avons un problème majeur qui est la paix. Nous avons des soucis de développement que nous partageons tous. Nous avons des soucis internes qu'on ne peut pas définir ici, on y vient, parce qu'il y en a. Donc ça veut dire que ce n'est pas la matière à réflexion qui manque. Et je crois qu'il est temps que nous fassions confiance à ceux-là qui nous élisent pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas là pour bavarder ou pour faire des projections politiques seulement. Que nous voulons réfléchir sur notre situation à nous. C'est pourquoi je suis heureux de voir mon jeune frère qui a très bien compris l'enjeu de ce forum, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est là, de voir les autres maires qui sont là, de voir que les chefs de village sont là, parce qu'on les a invités, mais de me réjouir surtout par la présence de l'administration, qui prouve qu'effectivement nous ne sommes pas venus pour faire de la politique, sinon le préfet ne serait pas là. Le sous-préfet non plus, même si c'est eux qui nous autorisent à tenir nos meetings. Mais ils ne sont pas partie prenante. Donc, mon intention est la suivante. Nous allons aller voir, on va aller mieux.